Bonjour, je suis Caroline. Attends un peu. Ah oui. Bonjour, je suis Caroline de Caroline. Okay. Bonjour. Et le sourire et tout ça, allez. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver dans ce vlog. Vous le voyez pas, mais il y a une installation d'enfer, on a investi dans du matos de qualité. Pour ceux qui nous découvrent, on s'appelle Caro et les garçons en mer. On est deux garçons, Alexis et moi-même, et Caroline. Et nous faisons une double traversée de l'Atlantique à la voile pour lutter contre le cancer à partir de mi-décembre. Si vous n'avez pas vu nos précédentes vidéos, je vous invite à les regarder. En tout cas, ce qu'on a fait pour le moment, c'est qu'on a acheté un bateau, un First 32S5, qu'on a convoyé jusqu'à Brest. Et donc là, actuellement, nous sommes à Brest et vous verrez dans cette vidéo toute la préparation de notre bateau et de nous-mêmes aussi. Voilà, quelques bricolages, un peu de navigation pour tester notre matos. Et voilà, et vous verrez enfin, restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque vous verrez que Denis Brognard est effectivement le par notre association, et vous pourrez voir à la fin de la vidéo tous les mots qu'il nous dira. Lui n'a pas bégayé quand il les a dit. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un petit léopard au lit, une petite girafe, débutez la journée avec Alexis. Je me suis fait avoir. Caro, un débrief sur ce qu'on vient de faire là. On vient de passer 2 heures à faire quoi? On a passé 2 heures à... Je sais pas, on a parlé chiffon. C'est un peu chiant, quoi. On fonctionnait bien depuis le début, mais là, on a tellement de sujets qui arrivent et tellement de choses à faire qu'il faut qu'on s'organise, et donc on s'est réorganisé parce qu'on fonctionnait quand même bien. C'était pas catastrophique non plus. Tu prends des notes? Ouais, là, oui, on prend des notes. Ok, impeccable. Ensuite, concernant les légumes, ça peut être du frais, bien sûr, ça peut être des boîtes. Des haricots verts, des tomates pelées, des coulis. Franchement, prenez des coulis, tout ça, je vais vous envoyer des photos. Je vous fais, là. Là, je fais... on est la veille de poster le premier blog sur YouTube que vous êtes en train de voir. C'est un peu une sorte de mise en abîme. Et on regarde, voilà, quelle description on va mettre, voilà, la miniature, tout ce genre de petits détails qui permettent de rendre nos vidéos, on l'espère, plus attrayantes et plus qualitatives. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Toi, tu vas me reculer, je vais juste mettre des gaz arrière, le vent va me pousser, le cul à droite, et après... Du coup, tu tiens et moi, je décroche là. Allez, voyons fou. Mais qu'est-ce que vous faites là? T'as eu droit, hein. Je peux pousser là-bas. Tu peux me dire pour là-bas? Quoi? Bon, Caro, qu'est-ce qui s'est passé sur cette manœuvre de port? J'ai attendu que le vent pousse le cul du bateau. À droite. Beaucoup d'apprentissage et une grande réussite. Une grande réussite. You're moving me, holding me, I'm fantasy.
bizarrement. Attention. Ton souplesse. Il y a un moment qu'on pourra couper quand j'arrive pas à prendre la main. On a perdu le match face aux antilopes africaines. Voilà, lendemain du drame. Première échelle de comparaison, c'est la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Là, ça commence à faire beaucoup. Manquerait plus que Caro pète son téléphone en navigation. Entre le marteau de la GV et l'enclume du chariot. C'est chose faite. C'est chose faite. On fait une manœuvre de port. Un barbatte, Zach, c'est bon ou pas? Moi, je fais avec les pieds. Et à gauche, à droite, pardon. Une grande réussite. Qu'est-ce que tu veux aller faire là? On va aller chez notre ami Paul. Beaucoup disent on a beaucoup d'amis Paul, etc. parce que c'est un nom bien français. Non. On parle de la boulangerie, de la chaîne de boulangerie Paul. Petite blague de 8h30 du matin. Pour vous. Ok, attends. On peut pas garder ça. Pour vous sortir la vidéo. Tu peux pas filmer maintenant avec. C'est que des coups durs le. C'est que des coups durs le bateau. Allô, tu m'entends? Donc là on est en train de réparer la pompe de cale. J'ai fait un petit branchement entre guillemets bancal. Et là on va essayer d'allumer la pompe de cale qui était cassée. On a retrouvé un morceau de verre à l'intérieur de la turbine. C'est ce qu'on appelle une pompe auto-amorçante. Et là je vais allumer la pompe de cale. Et on va voir. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas d'eau. Oh, il y a de l'eau. Les plus grandes joies passent aussi par des déceptions parfois. Nouvelle commande à 14h36. Oui, c'est Arnaud. Quel sens, hein, en fait. Arnaud, il est 19h19, comme par hasard. C'est un deck, toucher du rouge, j'ai fait un deck. On a quasiment plus de batterie, donc toucher du rouge, il y a du rouge partout. Et on voulait te remercier chaleureusement pour ton don généreux qui nous permet, par exemple, de financer les travaux qu'on est en train de faire sur la pompe de cale. Merci Arnaud Blanc, t'es le meilleur. On nous demande souvent pourquoi on fait ce projet, c'est-à-dire pourquoi on va s'amuser à s'envoyer des navigations dans des vagues de 4 mètres, faisant des travaux qui n'en finissent pas. Vous avez l'exemple parfait avec une lumière flash, non pas pour faire comme une boîte de nuit, mais simplement parce qu'elle ne fonctionne pas encore. Vous êtes beaucoup à nous demander pourquoi on fait ça. Caroline, est-ce que tu as la réponse? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Je pense tout d'abord qu'on a envie de partir dans une aventure humaine et réaliser un défi. Et sans réciter ton script. Mais parce que j'adore me faire du mal dans les vagues, voilà, j'adore mal dormir en quart de nuit et j'adore les levers de soleil. Pourquoi? Devant l'Atlantique, quoi. Ça procure de la joie? Que de la joie. C'est en train de dire que quand quelque chose... L'amour de l'effort et du réconfort. Nettoyage du bateau. Il est magnifique, le bois a changé de couleur. Et la coque aussi. C'est du coucou au vlog. Putain, comment au vlog, Alexis. Zachary qui a pas assez de force pour me porter, qui demande à Caro du backup. C'est ça, Zach, je me trompe pas. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Arrête!
plutôt. J'ai failli... Wow ! C'est génial ! Le bout du tunnel. Les joueurs qui rentrent dans le tunnel. Et une magnifique vue de Brest. Et le bateau de... Comment ils s'appellent les voisins ? En girouette pas, nous. Traveling plan. Just about to traveling. Très rapidement. Hello. On est où? On est avec Alexis, l'autre Alexis, deux Alexis, quoi? Un quoi? Un quoi? Bonjour. C'est Alexis IS, c'est le mec de Caro. On est au Havre, il pleut, on a passé la journée pour le départ de la Transat Jacques Vabre. On vous a évidemment rien filmé puisqu'on ne filme que les mauvais moments. Et là, on va voir notre parrain Denis Brognard. Plein de belles choses qui arrivent, plein de belles idées, on va essayer de mettre tout ça en place. Et voilà, on est hyper heureux, on a trop hâte de le rencontrer. C'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est trop. T'es à 30 secondes d'un rêve de gosse. 30 secondes d'un rêve de gosse. 10 minutes à pied ? Ah ! Non mais Caro, tu fous de ma gueule ? J'avais pas été... 8 minutes, mais Caro, les infos, Caro. Comment voulez-vous qu'on se fasse confiance ? C'est pas moi de regarder, c'est pas un enfant. Comment voulez-vous ? Et c'est à qui alors ? À qui la faute ? À qui de droit ? C'est Denis. Sinon de l'autre côté c'est l'hiver qui a fait l'événement mais avec le soleil ouais. C'est pas ou pas ça? Ah c'est parfait. Vous pouvez pas rêver. Denis, qu'est-ce que t'en penses comme ça? C'est toi qui fais la photo? Bah je vais faire la... Caro Coco. Oui, bon nature, donc c'était... Écoutez, on est avec Denis, écoutez. On a le petit badge et la petite BD surtout. Est-ce que vous avez vu ça? Bonjour, c'est Caroline de Caro et les garçons en mer. Et moi, c'est Zachary. Et moi, c'est pas Alexis. Je suis pas le troisième larron de cette belle aventure, mais je suis ravi d'être votre parrain, parce que votre initiative est merveilleuse. Trois étudiants de l'ESCP qui ont connu des fortunes diverses, avec des parents, et bien un papa qui est décédé du cancer, même chose pour Alexis. Et voilà, ce sont trois étudiants qui ont décidé de partir pour faire l'aller-retour, la traversée de l'Atlantique jusqu'aux Antilles et le retour en France jusqu'à Brest. Un défi extraordinaire, mais un défi sportif, mais surtout un défi pour permettre à la science de progresser. Donc, ils vont essayer de collecter au moins 100 000 euros pour qu'on arrive à cet objectif absolu de soigner 2 cancers sur 3. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit. On arrive à prendre plein de bons moments. Là, on doit courir parce que Caro a une pièce de théâtre ce soir à Paris. Toute la journée. À toute la journée. En 10 secondes. On est arrivé au départ de la Transat Jacques Vabre, on a fait le tour des bateaux, on est allé parler à des potentiels partenaires, on a un peu démarché, voilà, on a rencontré plein de personnes et on a réussi à voir notre parrain qui était très sollicité, qui est allé voir son meilleur ami Thomas Coville. On a pu parler à l'équipe de Sodebo qui était vraiment trop sympa. Hyper sympa. Hyper sympa, hyper accessible, on a eu des gâteaux, voilà, des... Du Schweppes. Du Schweppes, c'était vraiment extraordinaire, même sous la pluie. Trop bon moment, donc on regrette pas. Super. Zach, tu penses pareil ? Je pense pareil, puisqu'on pense évidemment pareil.
Et me revoilà, je n'ai pas bougé. Tout comme vous, j'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous faire nos retours. S'il y a des choses que vous avez bien aimées, des plans, des musiques, des idées, des envies. Si vous avez aussi des questions à poser à Denis, puisqu'on organisera une conférence à l'ESCP, qui est notre école, qui est aussi un de nos partenaires, et on le remercie pour ça. On organisera une conférence, donc voilà, si vous avez des questions à poser à Denis sur le thème de l'aventure et également du cancer, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Et en attendant, moi je vous tease la prochaine vidéo. Sachez qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, et aussi notamment la tempête Kiaran. Là, on est quelques jours après ça. Est-ce que notre bateau a résisté ou pas? Vu là où je suis, je dirais que oui, mais vous en saurez bien plus dans la prochaine vidéo.